et maman camion et bébé camion. Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer. Je vais jeter un coup d'œil. Waouh! Il y a eu un effondrement. Un autre effondrement. Nous sommes piégés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils. On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? T'es si forte! Maman camion a sauvé la journée! Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres! À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko! Bienvenue de nouveau au garage de Gecko! Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence! Hein? Quelqu'un doit avoir des problèmes. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. C'est Eric, la pelleteuse. Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh, Bleu. Je sais que la tempête est effrayante, mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre. Et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh là là, il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, Bleu. Tu es très courageux. Oh non! Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, Bleu. Oh, bravo, Bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde, un arc-en-ciel. Salutations de Gecko. Au revoir. Bonjour à tous. On a une journée chargée. Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneus. Mais où est Max? Bonjour, Max. Allez-y, les mécaniciens. Jaune a roulé et s'est cogné la tête. Alors à vous de jouer, Bleu et Rouge. Hey, hey.
les chauffeurs. Allez, viens, Jaune. On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Ouh, hihi. Burk. Oh. Bébé camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Ah, bien joué, bébé camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. À très bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. C'est Gecko. On a une belle journée ensoleillée. Alors je me suis dit que j'allais observer les oiseaux. Oh, regarde! Ce sont les jumeaux, Barry et Carrie. Oh non! Barry est tombé! Vite, les mécaniciens, on doit l'aider. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Ne t'inquiète pas, Barry. On va vite te sortir de là. Bleu. On va t'examiner. C'est étrange. Ton moteur ne veut pas démarrer. Oh, Carrie va remonter le moral de Barry. Comme c'est charmant. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry. C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas. C'est si agréable quand des amis vous rendent visite. Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite. Le poisson est chez lui, sain et sauf. Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. On se revoit bientôt. Au revoir. Tu as raison, Vert. Il y a un feu. On dirait que Fiona, le camion de pompier, est en route. Oh non! Maman camion et bébé camion font une course! Ils font trop de bruit pour entendre la sirène de Fiona! Fiona, il est temps que l'on t'installe une sirène plus forte! Allez les mécaniciens, il est temps de mettre une nouvelle sirène à Fiona. C'est ça, il nous faut un son pimpon bien fort. C'est fait. Fais un essai, Fiona. Ce n'est pas le bon son. C'est celui d'une sonnette de porte. Essayons encore. Là, c'est le son d'un dinosaure. On a besoin d'un pimpon. C'était un pimpon. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort, Jaune.
Ce cône de signalisation t'a rendu plus bruyant. Peut-être que ça marchera avec la sirène. Ah, voilà un pimpon bien fort. Au revoir, Fiona. Merci d'être venue au garage de Gecko. Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Aïe! Non! Ce n'est pas ça. Attends une minute. Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah. Hurrah! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir! Bonjour à tous! Je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour bébé camion! Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Bébé camion! Attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion! Ne t'inquiète pas, maman camion. On va le retrouver. Vite, les mécaniciens! On doit trouver bébé camion. Pauvre petit camion. Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux.
Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Gecko aujourd'hui. Au revoir. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf! Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté! Bleu? Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire adieu, fantôme. Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous. Au revoir. Fiona, camion de pompiers. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton tuyau ne fonctionne pas? Jetons un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Quoi? Allez les mécaniciens, aidez-moi s'il vous plaît. Tu vas bien, Jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gecko, Fiona. Au revoir. Oh, bonjour tout le monde. Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage. Oh, hii! C'est Bobby le bus. Il est coincé. Oh. Ce chocolat chaud va te réchauffer. Ah.
Ne t'inquiète pas, Bobby. On va vite te décoincer. Oh. Ce n'est pas bon. Décroche-nous, Bleu. On va essayer autre chose. Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige. Oh, cher Bleu, on dirait que nous sommes aussi coincés. Ne sois pas triste, Bleu. Quelqu'un va nous aider. Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud. Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige. J'ai une idée! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Aha! Parfait! Joyeux Noël à tous! Bonjour tout le monde! Bienvenue au garage de Gecko! Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez! Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut bébé camion! Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Aha, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir! Bonjour à tous! Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille.
Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, John. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, John? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gecko. Oh! Salut tout le monde! Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, John. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention, les mécaniciens. Ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. John, ne touche pas ce bouton! Les mécaniciens, vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci, Vicky. Au revoir, tout le monde. Salut, tout le monde. C'est Gecko. On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est bébé camion. Qu'est-ce qu'il y a, bébé camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Désolé, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvé! Et voilà, bébé camion. Ah! Tout est bien qui finit bien.
Merci pour votre aide à tous. Au revoir.